Je m'appelle Olivier, je suis à la Galaxy Route depuis 2 ans. Fonction particulière, j'en avais deux. En fait, la principale c'était d'être le chef de chœur du RNR, donc m'occuper de toute la partie musicale, notamment liturgique, du rassemblement. Et la deuxième, c'est que je suis dans l'équipe photo. Et du coup, quand il a fallu préparer ce rassemblement, donc moi de mon côté, je savais à peu près ce qu'il fallait faire. Côté feu, tout ça, il n'y avait personne de désigné et en fait, il n'y avait personne de musicalement assez compétent pour prendre ça en charge. Pour animer, oui, pour diriger, non. On a été deux, avec Claire au feu de Toussaint, à préparer les animations, les chants, le programme des chants, sachant qu'il y a juste le programme de la messe de la Toussaint, la messe finale, qui est commun. Après, chaque rassemblement avait son programme de chants. Du coup, on l'a préparé depuis la fin de l'été, en fait. D'abord, un choix des chants en fonction en fonction des moments, en fonction des textes de la messe, en fonction aussi du thème, tout simplement. Devenez ce que vous devez être, le thème du rassemblement. Et puis après, donc, la première partie, c'était juste une partie un peu de préparation, choisir les chants, les éditer pour les carnets, imprimer les partitions. Et puis la deuxième, c'était recruter les choristes. Donc ça s'est fait au moment de l'inscription. À l'événement sur CFE, ils avaient une case à cocher, je souhaite rejoindre la chorale ou l'orchestre. Et après, nous, on prenait contact avec eux par derrière pour leur demander plus de précisions sur ce qu'ils chantaient, ce qu'ils jouaient comme instrument, leur niveau musical, est-ce qu'ils étaient prêts à nous rendre un service, notamment pour psalmodier ou animer des assemblées. Et après, on a fait une répétition au Centre National il y a une semaine. Alors, il n'y avait pas tout le monde, loin de là, mais on avait une trentaine de choristes pour répéter, qui a permis de un peu dégrossir la messe de la Toussaint, la messe finale. Il y avait 120 choristes, 30 par pupitre et une trentaine de musiciens. Énergie des choristes, des instrumentistes et... Enfin, de l'assemblée derrière, enfin, tout ça qui se communique par la musique. Et du coup, enfin, moi, c'était la première fois que j'ai dirigé un chœur aussi grand. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Et peut-être plus personnellement, un beau cadeau, parce qu'en fait, moi, je quitte la galaxie ce soir. Donc c'était en fait la dernière fois que je chantais le chant de la promesse en uniforme, avec tout ce monde. Et vraiment un très beau cadeau d'adieu. Toile scout.